Mardi 25 juillet 2023, Laurie Tillman présentera en duo avec Laurent Luyat le concert événement des JO de Paris 2024 en prime time sur France 2. Pour l'occasion, l'animatrice s'est retrouvée face au chanteur Chris, qui a terminé torse nu sur scène. À un an du lancement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, France 2 a décidé de programmer un grand concert événement sur son antenne. Mardi 25 juillet 2023, la chaîne publique diffusera en prime time ce programme exceptionnel, qui sera présenté par deux visages emblématiques du service public, l'animatrice Laurie Tillman et le journaliste sportif Laurent Luyat. Depuis le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris et des futurs sites emblématiques de Paris 2024, la Tour Eiffel, Versailles, le Trocadéro, la Seine. Ce grand show réunira le temps d'un soir la musique et le sport, à travers des lives et tableaux d'exception. Tout au long de la soirée, artistes et sportifs se dépasseront à travers des performances en musique, pour aller toujours plus haut, plus fort, plus loin et célébrer les valeurs fondamentales de l'olympisme, a indiqué France 2 dans un communiqué. Des séquences incroyables dans lesquelles Gims performera au sommet de la Tour Eiffel avec Mathias Dandois, 9 fois champion du monde de BMX, ou encore le pianiste de renommée mondiale Lang Lang qui s'invitera sur les bords de la Seine, à la piscine Joséphine Baker, pour un duo de natation synchronisée. Gaëtan Lévesque, artiste et athlète, nous fera perdre tous nos repères sur la musique de Michael Canitro. Séquence vertigineuse de trampoline tournée au château de Versailles. Et aussi beaucoup d'autres surprises, dont le danseur et chorégraphe Rachid Ouramdan qui rencontrera le musicien Ibrahim Malouf pour un moment suspendu au Théâtre National de Chaillot, à deux pas de la Tour Eiffel. A également ajouté la chaîne publique. Laurie Tillman, pas de chaussures sur scène pour l'animatrice de France 2 pour l'occasion, Laurie Tillman a opté pour un look uniforme, étant donné que l'ancienne Miss France était entièrement vêtue de blanc. L'animatrice portait un pantalon et une veste d'un blanc immaculé, tout en s'affichant pieds nus sur scène. Au cours de cette émission, l'ancienne reine de beauté s'est retrouvée face au musicien Chris, anciennement Christine and the Queen, note de la rédaction, également connue sous le pseudonyme de Redecar. Lors de sa prestation sur scène, le chanteur n'a pas hésité à retirer son gilet, se retrouvant ainsi torse nu face au public venu assister à l'enregistrement de l'émission.